Oh là là. Je vais me filmer comme ça. Salut à tous, c'est un peu de travers, je dois me filmer comme ça. Bon, je vous fais vite une vidéo, j'ai pas dormi de la nuit. Écoutez, donc je remercie énormément mes consoeurs et mes confrères qui m'ont écrit, parce qu'il y en a qui me suivent bizarrement. Je suis allé vous voir d'ailleurs, j'ai regardé vos vidéos, puisque j'ai regardé votre pseudo. À part l'espèce de taré qui me harcèle là par contre, parce que je vais finir par lui signaler. Le taré qui a annoncé Macron gagnant et qui s'en vante. T'as pas tiré les cartes en fait. Donc tu sais, quand on annonce Macron gagnant, c'est de la facilité de dire ça. On aurait tous pu le dire, Macron il va gagner. Sans cartes. Mais non, moi je me fie à mes jeux. Et mes jeux, ils m'ont pas parlé de ça. Ils m'ont parlé d'une chute, d'un retournement de dernière minute. Le dernier tirage que j'ai fait devant vous, souvenez-vous bien de la carte de trahison qui sortait sur Macron. Donc non, moi je n'y crois pas du tout. Trahison, traître, tricherie. Je vais vous laisser avec une petite vidéo là, que j'ai vite, vite, vite téléchargée et qui restera dans mon téléphone. Je vais vous laisser avec cette vidéo, regardez par vous-même. Il manque à peine 6 millions de personnes à compter. Alors désolé, hein, il y a des travaux à 7h du matin, c'est honteux. Hein. Il est 7h du matin, il est 8h du mat, c'est honteux. Il y a toujours des travaux, c'est incroyable. Et c'est n'importe quoi se filmer comme ça. Il manque à peine 6 millions d'électeurs sur la vidéo que vous allez voir. Et on ne peut pas passer de Marine gagnante, dans la vidéo que vous voyez, à d'un coup Marine qui passe qu'à 41% ou 42%. C'est pas possible. Parce que 16 points, c'est pas les 6 millions qui manquent, vu qu'il y a 30 millions d'électeurs. Vous allez regarder la vidéo. Il y a déjà. Même pas, il en manque 2 millions d'ailleurs. Il manque 2 millions. La vidéo que vous allez voir, on est déjà à 14 millions, 14 millions. Il manque 2 millions d'électeurs. En 2 millions d'électeurs, on n'a pas 16 points d'écart. Ça n'existe pas. Un point, c'est à peu près 800 000 voix. Donc, on ne peut pas. Macron ne peut pas avoir 16 points de plus que Marine. Vous savez, pour passer de 42 à 58, ça fait 16 points. On ne peut pas. Il ne peut pas avoir 16 points d'avance. Les 2 millions manquants, qui ne sont pas calculés encore dans la vidéo que vous allez voir, parce que ce n'est pas encore la fin de la soirée, hier soir sur France 2, je crois France 2 Guadeloupe ou France 2 Martinique, c'est les Antilles qui ont eu ça, parce que eux, ils ont eu les chiffres, ils ont eu les nombres d'électeurs. Nous, on a eu le pourcentage toute la soirée, donc enfin toute la soirée. Nous, on n'était pas là, hein. Maurice a voulu sortir, comme je vous ai dit. Ça s'est bien déroulé, ça aussi. J'ai travaillé, ça s'est bien déroulé. Là, je vais vraiment travailler cette semaine aussi. Pas aujourd'hui, parce que j'avais dit de toute façon, vu mon état d'esprit de lundi, je pense que je vais refuser tout le monde. Donc j'avais dit lundi, je le bloque pour ne recevoir personne. J'ai très bien fait. Parce que là, je suis en train de faire plein, plein de recherches. Et c'est incroyable ce qu'on est en train d'apprendre. Donc ceux qui se vantent pour Macron, écoutez, la facilité sans les cartes, dites Macron, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai vu les tirages de mes consoeurs et de mes confrères. J'ai vu leur tirage, la même chose que moi. J'ai dit, mais je me souviens de mes tirages par cœur, parce que j'ai les images dans la tête. Je vois qu'il y en a qui tirent l'oracle Béline et la triade, que je connais très bien. Et j'ai tiré les mêmes cartes avec mes jeux à moi. J'ai dit, mais comment on peut être autant avoir la chute, avoir certains ont dit l'élection annulée. Alors oui, pourquoi pas utiliser ce terme? Parce que s'il y a bien tricherie, comme vous allez voir dans la vidéo là maintenant, s'il y a bien tricherie, oui, c'est annulé, oui. Moi, je veux savoir pourquoi il y a 14 millions, 14 millions. Là, vous allez voir que Marine, elle emporte de 200 000 voix. C'est très, très peu, un poil de cul, comme je l'avais dit. Et là, d'un coup. Pourquoi cette vidéo, je tombe sur ça, qui correspond parfaitement au poil de cul que je disais? J'ai dit un poil de CUL, parce que je n'ai pas répété trois fois. Je tombe sur ça là aujourd'hui, avec toutes les infos, je suis tombé sur plein de photos que je vous ai mis en haut dans communauté d'ailleurs. Toutes les copies écran des gens qui étaient en Guadeloupe, en Martinique, qui ont pris heureusement la copie écran de cette émission. Et d'un coup. Il manque que 2 millions d'électeurs pas calculés. Et on arrive à 42, 58. Alors que Marine, là, elle est au-dessus de lui. Mais comment vous voulez perdre 16 points d'un coup? Si vous savez ce que ça veut dire 16 points. Donc voilà, vous pouvez pas.
Là, il y a 14 millions, 14 millions. Il y a eu à peu près 30 millions d'électeurs. C'est-à-dire, il en manque 2 millions d'électeurs. Ça fait pas 16 points. Et en plus, ça voudrait dire que les 2 millions manquants ou les 3 millions manquants, admettons, 100% de ces électeurs ont voté Macron. Mais sérieux. Et enquête à faire. Alors, je n'affirme rien. Je monte cette vidéo. J'attends qu'il y ait une enquête pour savoir pourquoi ça s'est passé sur France 2, dans les Antilles. Parce qu'en France, on ne nous montre pas le nombre d'électeurs, on nous montre que le pourcentage. Donc, bonne vision de cette petite vidéo. Et désolé, ouais, là, c'est vraiment, quand j'entends ce film comme ça, c'est nul. Donc, voilà. Bref, j'ai pas dormi, j'avais décidé, de toute façon, je me suis dit, si Macron est élu, c'est hors de question que je dorme. Parce que ça me paraissait tellement bizarre de base. À côté de la plaque, toujours avec lui. Il y a plein de trucs qui se produisent. Et juste avec lui, ça va pas. C'est extraordinaire, juste avec lui. Tout le temps avec lui. C'est bizarre ça. On voyait une blonde au gouvernement, du pourquoi dans ma tête il y avait aussi Pécresse, je le dis bien. Je sais pourquoi je tirais toujours une blonde. Je me suis dit, merde, il y en a deux des blondes. Et là, je vous laisse avec la vidéo, je vous fais un bisou quand même. On souhaite vraiment de l'espoir. On lâche rien du tout. Moi, j'attends pas les législatives pour avoir la vérité. Je vous le dis sincèrement, j'attends pas les législatives. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon lundi et à demain pour mes clients, puisque comme je vous ai dit à tous, j'avais vraiment dit à tout le monde, je prendrai personne lundi. Vous voyez, j'ai bien fait. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Je le savais d'avance. Mais que je dorme pas, c'est extraordinaire. Là, je crois que je vais pas dormir de la journée. Je vais être vraiment épuisé. Puis comme ça, je vais faire un bon sommeil. Je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Les macronistes, vous êtes bannis de ma chaîne. Le voyant qui me harcèle. Tu es banni de ma chaîne. Voilà. Sache que c'est interdit d'harceler les youtubeurs. Tu es un youtubeur, tu n'harcèles pas un autre youtubeur. Je n'harcèle aucun youtubeur. Je n'agresse pas les youtubeurs sur leur chaîne. Ça ne se fait pas, c'est interdit par la loi. Et les personnes qui m'agressent et qui veulent ma mort et qui veulent que j'arrête mon métier, 25 ans de métier. Et même plus, hein, je tire les cartes depuis l'âge de 14 ans. Et vous voulez que j'arrête? J'ai un taux de réussite de 98%, 98%. Il y a toujours 2% avec qui ça marche pas. On va jamais dire que ça marche à 100%, c'est impossible. Il y a 2% de gens avec qui ça marche pas du tout. Et vous voulez que j'arrête? Vous voulez que j'arrête pour 2% d'erreur? Mais vous êtes qui? Donc non. Je remercie mes haters. Parce qu'il m'avait dit t'arrêteras de faire la voyance. Alors déjà non, j'ai jamais dit ça. J'avais dit j'arrête la voyance sur Macron. Mais vu votre insistance, je vais en refaire sur Macron aussi. Voilà. Parce que moi je veux avoir la vérité. C'est comme ça. Je sais qu'il doit y avoir des politiques qui regardent. C'est pour ça qu'ils doivent savoir des choses déjà à l'avance. Ça me fait bien chier. Parce que je me suis dit les politiques, ils regardent. Le pire c'est qu'on sait qu'il y en a qui nous regardent. Donc peut-être que ça les aide. Mais par contre, les harceleurs derrière cet écran, vous êtes bannis. Arrêtez d'envoyer je sais pas quoi, tu dis tout faux, machin. Vous avez écouté mes autres vidéos? Non. Impossible. On ne peut pas, en écoutant mes vidéos, dire à chaque fois que tu dis un truc, ça n'arrive pas. Vous mentez et vous n'avez vraiment, vraiment pas une belle vie. Je vous dis vraiment, vous n'avez pas une belle vie. Franchement, vous devez être des gens sans amis, sans boulot derrière cet écran, de ceux qui m'agressent comme ça. Vraiment, vous devez avoir une vie misérable. Je vous le dis vraiment. Parce que, honnêtement et objectivement, il est impossible de me dire que dans toutes mes vidéos, c'est faux. C'est impossible. Vous retenez une chose, la Pécresse, là, que j'ai vue dans mon jeu, parce que c'était une blonde. Je lui ai dit comme c'est une blonde au pouvoir, je voyais toujours cette femme. Il y en avait deux. Donc moi, j'hésitais là-dessus. Et de l'autre côté, Macron. Et tout le reste, vous n'écoutez pas. Alors je vous laisse avec la petite vidéo qui arrive. Et puis vous me direz encore ce qui se passe, hein? Mais les haters, vous êtes bannis.
Merci à mes fans. Commentez en dessous. Mes abonnés, les gens qui sont pas abonnés, évidemment, puisqu'en fait, vous n'êtes pas abonnés. Vous me dites que vous êtes abonnés, mais vous l'êtes pas. Donc, je fais l'effort quand même de lire les messages des non-abonnés. Voilà, parce que dans ma rubrique, vous apparaissez dans les non-abonnés. C'est un peu bizarre. Ça aussi, c'est louche. Voilà. C'est n'importe quoi, hein. Enfin, bref. Bon, nous, on a bien fait de sortir hier soir, je vous dis. J'ai passé une meilleure soirée dehors, hein. Franchement. À très bientôt. Et voyez ma vidéo là tout de suite. Vous avez vu, vous voyez des résultats qui se précisent, mais d'abord Jean-Baptiste, vous commencez par le décompte des voix. Regardez, je vous rappelle qu'on est connecté effectivement en direct avec le ministère de l'Intérieur. Dès qu'un bureau de vote est validé, il apparaît là. Et là, vous voyez le nombre de voix par candidat. Pour l'instant, une égalité presque parfaite avec une petite avance pour Marine Le Pen. 13 900 000 voix pour la candidate du Rassemblement National, 13 millions 6 pour Emmanuel Macron. Attention, ça ne veut pas dire que les tendances vont s'inverser ce soir. Ça veut tout simplement dire que ce sont d'abord les zones rurales, les petites communes qui font remonter d'abord leur résultat, des communes qui, on le sait, votent un peu plus Marine Le Pen que les grandes métropoles qui devraient tomber effectivement au cours de la soirée. Marine Le Pen avait fait 10 millions de voix en 2017, c'est d'ores et déjà plus. Et regardez, ça se voit effectivement sur notre carte de France. En bleu foncé, les villes qui ont placé Marine Le Pen en tête. En violet, celles qui ont placé Emmanuel Macron en tête. Il y en a davantage pour effectivement le président sortant. Mais on voit tout de même que Marine Le Pen s'est implantée dans de très nombreuses régions. Je vous propose peut-être de comparer avec cette carte de 2017. Du second tour il y a 5 ans, ça n'a rien à voir. Là, il y avait du rose quasiment partout, la couleur d'Emmanuel Macron. Là, cette année, c'est beaucoup plus contrasté. On voit que Marine Le Pen a fait des scores importants, notamment dans les territoires d'outre-mer. Alors ça, c'est assez significatif. Par exemple, regardez ici en Martinique, Marine Le Pen arrive en tête avec 60% des voix, 39% pour Emmanuel Macron. On peut regarder peut-être la Guadeloupe également, 69% là pour Marine Le Pen en Guadeloupe. Des scores effectivement très importants pour la candidate du Rassemblement national dans les territoires d'outre-mer, Johanna. Et on a aussi beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, autant à gauche qu'à droite. Et Jean-Baptiste, vous vous arrêtez sur une réaction du Parti Les Républicains. Oui, parce que Laurent vient de parler effectivement des félicitations républicaines, notamment de Valérie Pécresse. Bien, regardez, Laurent, il y a une réaction qui fait beaucoup, beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. C'est celle de Damien Abad. De plus, dans la dernière vidéo, vous avez vu 14 millions plus 14 millions, hein, ça fait 28 millions. Là, vous voyez qu'en additionnant tout ça, on est à 32 millions, 33 millions. Donc de 28 millions à 33 millions, il manque 5 millions de votants, qui ne font toujours pas 16 points d'écart. Et ça voudrait dire que de la vidéo de 20h à minuit, 100% des votants, des électeurs ont voté Macron. C'est ce que ça voudrait dire. C'est-à-dire que les 5 millions qui manquaient, 28, là on est à 18, 28, 29, 30, 31, 32, 32 millions. Donc on avait 28 millions de calculés, il en manque à peine 5 millions, qui font à peu près 6 points. Donc on ne peut pas en avoir 16 d'écart. Ça fait à peu près 6 points. Et là, vous voyez, l'addition des deux fait 32 millions. Additionnez bien, hein. Dans la vidéo précédente que vous avez vue, il y a 28 millions déjà de dépouillés. 28 millions déjà de dépouillés. Et vous voudrez me faire croire, vous voudriez me faire croire que les 5 millions de dépouillés, 100% ont voté Macron. C'est ce que ça voudrait dire, mesdames et messieurs. Regardez bien, calculez bien. Alors, comme vous l'avez vu, 13 900 000 à 20h pour Marine Le Pen. Et là, il est donc 8h du matin. 100% des bureaux dépouillés, et d'un coup nous passons à 13 millions 2. Oh bah c'est marrant ça déjà. Alors elle avait 13 millions 9 à 20h, et à minuit, ou là maintenant on va dire à 8h du matin, elle a 13 millions 2. Donc déjà avoir perdu des électeurs, ce n'est pas normal. Le pourcentage, comme vous voyez, évidemment que ça change au fur et à mesure des horaires, mais ça là, ça ne peut pas descendre. On ne peut pas être à 13 millions 9 à 20h et à 13 millions 2 à minuit ou à 8h du matin ce matin. Ça me fait bien rigoler. Grosse erreur.